roi est son nom. Amen, alléluia, mes soeurs et frères. C'est le dernier chant. Veuillez-vous mettre debout. Levez-vous, pas pour moi, pas pour le pasteur, mais pour le Seigneur. Et alléluia. Chantez, chantez, bien-aimé, ce chant. Chante ce chant pour ton Dieu. Alléluia. Chante ce chant pour ton Dieu. Alléluia. Comme la sœur vient de dire au ciel, ce n'est pas pour le pasteur, mais c'est pour Dieu. C'est une chose que nous ne devons jamais oublier, que Dieu nous dit si clairement dans sa parole, là où il y en a deux ou trois rassemblés en l'honneur de mon nom, je suis son Dieu. Amen.
Alléluia. Béni soit le nom de Jéhovah. Jéhovah, le Tout-Puissant, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui m'a appelé. Celui bien-aimé qui a quitté son trône et qui est venu sur la terre. Le bien-aimé, je vais saluer tous ceux qui se sont joints à nous, pardon. Bienvenue. D'accord? Bienvenue, Agnel, c'est ça? Bienvenue. D'accord? Bienvenue. Sois le bienvenu, mon montant haut là. Sois le bienvenu. Que le Seigneur te garde, te bénisse. Monsieur aussi, Monsieur Auguste, voilà. Je lui dis aussi le bienvenu. Sois le bienvenu. Tu es venu, tu t'es assis au dernier rang, ça ne va pas. Lui dit pour la première fois, il va aller au dernier rang, mais de toute façon, ne t'inquiète pas. Le Seigneur est là, il te regarde. Il te voit. Alléluia. Donc bénissons le nom tout puissant du Seigneur. Que chacun se sente bien ici en ce lieu, bien-aimé, où eh bien, nous adorons le Seigneur tout puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu, celui qui a créé les cieux, la terre et toutes choses. Bien-aimé, nous bénissons son Saint-Nom. Donc certainement, le Seigneur a une parole pour chacun d'entre nous qui sont venus ici aujourd'hui. D'habitude, bien-aimé, lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, nous ne repartons jamais de la même façon dont nous sommes venus. Non. Quand tu viens dans la maison du Seigneur, il y a toujours quelque chose. Même que tu viens et que tu repars, tu ne vois pas ce que tu as reçu, mais tu l'as reçu. Et un moment arrivera dans ta vie que tu remarqueras que, eh bien, la façon dont toi tu as pu réagir, cela ne vient pas de toi. Il y a quelque chose de surnaturel qui s'est passé, qui a permis que tu puisses agir ici. Eh bien, c'est ce jour-là que le Seigneur a envoyé un ange te remettre un outil, un instrument que tu aurais eu besoin plus devant. Alléluia. Amen. Béni soit le nom tout-puissant du Seigneur. Donc, bien-aimé, en ce merveilleux jour, nous adorons le Seigneur, où nous portons le message de sa parole, nous vous rappelons que nous sommes bien dans la lignée de la prédication. Qu'est-ce que la foi chrétienne? Parce que beaucoup de personnes se font appeler chrétiens, beaucoup de personnes disent qu'ils sont chrétiennes, ils sont chrétiens, moi je suis un chrétien, mais bien aimé, il y en a des choses bien précises qui nous permettent de voir si quelqu'un est ou si quelqu'un n'est pas. Vous savez, il y a une phrase que tout le monde peut dire dans le corps du métier. On dit, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Tout le monde peut dire, oh, moi je suis un maçon, moi je suis un maçon, oui, je suis un maçon. Mais tu lui donnes un truc d'aglo. Tu lui donnes du sable et du ciment, tu lui donnes une pelle, une tuelle, et tu dis, voici, j'ai ce mur-là à faire. Et c'est là que tu verras si c'est un maçon, si c'est un bricoleur, qui est-ce qu'il est. C'est à ce moment-là que tu verras qu'il est. Bien aimé, faites attention. Le Saint-Esprit est déjà dans le prière de nous dire, justement, toi-même, tu ne sais pas qui tu es, puisqu'il te dit que tu ne t'appartiens même pas à toi-même. Tu te vends ton foie, ton estomac, tu dis, moi. Il te dit, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu ne t'appartiens même pas à toi-même. Imagine si tu sauras qui tu es réellement. Bien aimé, beaucoup de personnes disent, oui, moi je crois en Dieu, oui, j'ai de la foi en Dieu, moi je crois en Dieu, moi j'ai ceci, j'ai cela. Celui qui croit en Dieu, qu'est-ce qu'il fait premièrement? Celui qui croit en Dieu, faites attention. Celui qui croit en Dieu a accepté le Seigneur Jésus comme sauveur personnel. Ensuite, il s'est
fait baptiser. Ensuite, il est entré. Après le baptême, qu'est-ce qu'il y a? Après le baptême, il y en a le chemin. Bien aimé, comprends une chose. Jésus dit, je suis la porte. Je suis la porte. Donc quelqu'un entre par la porte qui est Jésus. Lorsqu'il entre par la porte qui est Jésus, donc il sera baptisé puisque c'est ce que Dieu a institué pour pouvoir entrer dans ce royaume. Et une fois qu'il a été, il est passé dans cette eau, bien aimé, cette eau n'est pas la purification du corps, de l'esprit et de l'âme. Mais ceci, c'est d'avoir une bonne conscience avec Dieu, puisqu'il te dit, il y en a un seul Dieu, une seule foi et un seul baptême. Rappelez-vous ce que nous avons dit. Pourquoi la Bible nous mentionne cela? Il y en a un seul Dieu, une seule foi et un seul baptême. Pourquoi? Vous connaissez la réponse? Parce qu'il y en a plusieurs faux. C'est pourquoi il te dit qu'il y en a un seul Dieu, une seule foi et un seul baptême. Pourquoi il te le dit? Il te le dit parce qu'il y en a plusieurs faux. C'est pour que tu sois certain lorsque tu l'as, c'est pour que tu puisses t'assurer que c'est le vrai que tu as. Quelqu'un a compris? Parce qu'il y en a plusieurs faux. Bien aimé, faites attention. Vous savez, les choses de la vie nous enseignent. Il y en a, comment dire, le gouvernement fait passer à la télévision, faites attention aux citoyens, faites attention parce qu'il y en a des faux billets de 50 euros qui circulent partout le territoire. Quand tu vois un billet de 50 euros, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le mettre dans ta poche comme ça, c'est bon, on va, tu vas faire, on va te donner, tu vas mettre dans ta poche directement, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, tu vas, non, tu vas fouiller, chercher à savoir, est-ce que c'est le vrai, c'est un vrai ou c'est un faux? Parce que on ne connaît pas, nous ne sommes pas dans la fausseté, nous ne connaissons pas. Donc tu vas chercher à savoir si c'est un vrai, si c'est un faux. Bien aimé, c'est la même chose. Mais malheureusement, comme beaucoup de personnes, les gens ne connaissent pas la parole de Dieu, donc les gens se laissent bercer, mener en bateau. Les gens se laissent mener, et puis, eh bien, voilà, c'est ainsi, eh bien, ils se sont avant. Donc, bien aimé, nous sommes en train de déchiffrer, de dérouler, de dérouler cela, à savoir, eh bien, c'est quoi réellement avoir la foi en Dieu. Parce que moi, je vais découvrir que j'ai la foi en Dieu lorsque je vais me trouver devant une situation qui va permettre que Dieu permet que cette situation, pour passer dans cette situation, il te faut la foi en lui. C'est à partir de ce moment-là, je saurai si réellement j'ai la foi. Quelqu'un a compris? À partir de ce moment-là, je sois bien aimé. Attention, tout le monde dit Dieu. Mais on ne connaît pas Dieu. Nous ne connaissons pas Dieu, bien aimé. Faites attention, vous savez. Bon, Abraham pensait qu'il connaissait Dieu. Vous pensez? Abraham pensait qu'il connaissait Dieu. Abraham pensait qu'il connaissait Dieu. Mais Abraham n'a jamais imaginé que Dieu allait tester sa foi. Il pensait connaître Dieu. Mais finalement, Dieu est arrivé le jour, bien aimé, où il a testé la foi d'Abraham réellement, pour voir si réellement Dieu savait toutes les choses. Hein. Il a voulu tester la foi d'Abraham. Et finalement, eh bien, Dieu a testé la foi d'Abraham. Et c'est là que Dieu a dit à Abraham, eh bien, réellement, tu crées mon nom. Réellement, tu as la foi. C'est pour ça, bien aimé, c'est parce qu'Abraham avait cette foi que Dieu l'a nommé père de la foi. Père d'une grande multitude. Amen. Donc, qu'est-ce que la foi chrétienne nous sommes en train de développer? Donc la dernière foi, bien aimé, nous avons terminé avec ce verset, Jean chapitre 14. Allons dedans pour que nous puissions reprendre le fil là où nous l'avons laissé. Jean le chapitre 14,
Et ce verset, à partir de ce verset 17, il nous dit ici la parole, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeure à côté de vous et, s'il vous plaît, attention, s'il vous plaît, Jean 14, 17. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit nous a permis de comprendre pourquoi le monde dit qu'ils connaissent Dieu. Oui, je connais Dieu, mais finalement, lorsque tu regardes leur façon de vivre, tu vois que leur façon de vivre n'est pas correct avec Dieu. Quelqu'un a compris la chose? Celui qui se réclame, ah, moi je suis enfant de Dieu. Oui, moi je suis. Celui qui se réclame être enfant de Dieu, il devra ressembler qui? Si tu dis que tu es enfant de Dieu, à qui veux-tu ressembler? Tu ne dois pas ressembler au diable en disant que tu es enfant de Dieu. Non! Tu devrais ressembler Dieu. Et ressembler Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est visible, ressembler Dieu? Est-ce que de se ressembler Dieu, c'est à la façon, plutôt je vais poser ça, je vais mettre ça d'une autre façon. Est-ce que ressembler Dieu, c'est à la façon des hommes? Non. Ressembler Dieu, c'est à la façon de Dieu. C'est-à-dire, dans mon comportement, je devrais ressembler Dieu. Dans ma façon de regarder tous les êtres humains, je devrais ressembler Dieu. La façon de me comporter, la façon d'agir, ma façon de parler, c'est là que je devrais refléter Dieu. Donc nous comprenons effectivement que tout le monde dit, ah oui, moi je connais Dieu, oui j'aime Dieu, je connais Dieu, je connais Jésus, j'aime Dieu. Et finalement, bien aimé, ceci, comme il nous parle très clairement ici dans Jacques, la langue. Faites attention à la langue. La langue se vante de... Pas beaucoup. La langue se vante beaucoup, c'est limité. La langue se vante de grandes choses. Et finalement, c'est simplement pour nous tromper. C'est simplement pour nous tromper. Donc, faites attention à la langue. Donc, bien aimé, ressembler Dieu, cela veut dire avoir bien une attitude. Dans toute mon attitude, je devrais refléter Dieu. Et c'est qui Dieu? Dieu, c'est qui Dieu? C'est Jésus-Christ. Alléluia, c'est Jésus-Christ qui nous a envoyés. Voilà. Donc, dans tout, je devrais bien refléter, l'exemple que Jésus nous a laissé. Jésus est venu, bien aimé, et il nous a donné justement un message. D'accord? Il nous a donné un message. Et ce message, toi et moi, nous devons suivre ce message. Donc, voici avec ce verset, bien aimé, nous avons finalisé la réunion de la dernière fois. Et nous avons initié en disant la foi nous a été donnée. La foi nous a été donnée. Et c'est ainsi que nous allons dans le livre de Jude. Jude, c'est une petite Bible, mais qui se trouve là. Ce n'est pas un livre où nous allons tout le temps. Voilà. Il est tout petit, un petit livre. Voilà. Un petit livre. Des petits, dans les épîtres qui est là. Livre de Jude, le chapitre 3. Quelqu'un a trouvé? Ah, les pages sont collées, puisque il y a longtemps qu'on n'y va pas dans ce petit livre de la Bible là. Livre de Jude, chapitre 3, j'ai noté, ouais, chapitre 3.
Il est tout petit. C'est un petit livre de la voix grand chapitre, maintenant. Tout petit livre. Juste après le troisième livre de Jean. Jean 1, Jean 2, Jean 3. D'accord? Livre de Jude, le chapitre 1er, le verset 3. Il nous a dit ainsi: bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Cette foi doit être préservée, doit être fortifié journalièrement. Quelqu'un dit amen? La foi, bien-aimée, nous a été donnée. Rappelez-vous, la foi en Jésus, comme nous disons assez régulièrement, la foi en Jésus, ce n'est pas la foi lorsqu'on te dit, tu sais qu'il pleut, et que tu sors, tu vois qu'il pleut. Et tu sais que tel est mort, hein? Et que cela, tu coupes les informations, tu vois que réellement, tel est mort. Bien-aimé, cela n'a rien à voir. La foi en Jésus, personne bien-aimée, peuple de Dieu, la foi en Jésus, c'est de la folie pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pourquoi c'est de la folie? La foi en Jésus. La foi en Jésus, rappelez-vous, bien-aimé, la foi en Jésus nous enseigne à croire en l'invisible. La foi en Jésus nous enseigne à croire en l'impossible aux hommes. L'invisible pour les hommes, l'impossible pour les hommes. Dans d'autres mots, il dit que, tu comprends fermement que la foi des hommes est limitée. Quelqu'un dit amen? La foi des hommes est limitée. Mais la foi en Dieu, bien-aimé, ceci n'est pas limité. Et tu comprendras, bien-aimé, que c'est la foi en Dieu, la foi en Jésus, qui permettra que lorsque Jésus viendra enlever son Église, que tu puisses partir, toi et moi, que nous puissions eh bien, être enlevés. Bien-aimé, une chose très importante que ce message du Seigneur est en train d'attirer mon attention, notre attention aujourd'hui. Ma foi en Dieu. De notre côté, il te dit que mon salut dépend de ma foi en Dieu. De notre côté, il est en train de dire que, et Dieu verset qui me met à cœur là rapidement, nous allons dedans. Livre de 2 Thessaloniciens, c'est ça. Voilà. Le livre de 2 Thessaloniciens, il m'est venu là, voilà. Quelqu'un a trouvé, mais voilà. Livre de 2 Thessaloniciens, mais gardons toujours Jude 3 en pensée. 2 Thessaloniciens, comprends ce qu'il nous dit. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 1. Il m'a dit: pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de notre part, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc, bien aimé, l'apôtre Paul, dans ce passage, est en train de faire référence, l'apôtre ami du Seigneur, à notre réunion avec le Seigneur. C'est de ce qu'il est en train, de ce que je suis en train de vous parler ici, bien aimé,
hein, de notre réunion avec le Seigneur. Il est en train de dire que ma réunion avec le Seigneur, cela dépendra de ma foi. Cela dépendra de ma foi. Donc, de notre moment, il est en train de dire, pour que je puisse être enlevé, ma foi devrait être la foi que le Seigneur Jésus nous a emmené. Quelqu'un a compris? Je reprends Jude chapitre 3, le verset 1er. Bien-aimés, comme je désirerais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et c'est cette même foi-là, bien-aimés, qu'il est en train de nous parler. Dans le livre de d'Éphésiens. Où est-ce qu'il dit, il y en a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Dieu et Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Donc c'est de cette foi-là qu'il est en train de parler ici. Cette foi-là, tu vas comprendre, bien-aimé, cette foi-là, c'est une foi que cette foi n'a pas été donnée à n'importe qui. Cette foi, elle a été donnée à qui? À qui? À qui? Cette foi-là a été donnée aux saints. Ce que Dieu appelle saints. Cette foi-là a été donnée aux saints une fois pour toutes, aux élus. Il n'est pas mauvais, là. Il n'est pas dit que c'est pas bon, la réponse est bonne. Cette foi-là a été donnée une fois pour tout. Et qu'est-ce qu'elle dit? La parole du Seigneur, elle continue de dire que cette foi-là doit être préservée, doit être fortifiée journalièrement. Et comment tu vas fortifier ta foi? Journalièrement. Comment tu vas préserver ta foi journalièrement? Quelqu'un peut éclairer la lanterne? Bien-aimé, toi et moi, faites attention, toi et moi, il n'y en a rien que nous puissions faire de nous-mêmes pour préserver cette foi ou pour la fortifier. Humainement, nous n'avons rien que nous puissions faire. Pourquoi? Parce que la foi est immatériel, est invisible, est impalpable. Donc la foi est quoi? Spirituelle. Donc dans notre monde, bien aimé, la seule façon que je puisse préserver ma foi, c'est d'entrer dans le spirituel. Et comment ferais-je pour entrer dans le spirituel? En cherchant le Seigneur de toutes mes forces, de toute mon âme et de toute ma pensée. Et comment? Par le jeûne et par la prière. Quelqu'un a compris? Ceci n'a rien à voir avec la foi religieuse. Quelqu'un a compris? Parce que nous savons qu'il y en a l'évangile de la prospérité qui prêche la foi, mais la foi religieuse. Mais lorsque le Saint-Esprit nous révèle réellement la foi, eh bien, il est en train d'attirer, il est en train de me pointer du doigt, il est en train de te pointer du doigt. Il est en train de nous pointer du doigt, bien-aimé. Donc, parce qu'il s'agit de la foi chrétienne, la foi réel. La foi, bien-aimé, que lorsque tu vas regarder un autre homme, tu ne te sentiras pas supérieur à lui. Bien qu'il soit dans le pays, il est entré dans le pays illégalement,
il est dans le pays, il n'a pas de papier, il n'a pas de document, mais tu ne vas pas le regarder avec mépris. Tu vas le regarder, tu vas regarder cet homme, et en regardant cet homme, tu verras Jésus dans cet homme. Tu verras Jésus dans cet homme. Bien aimé, il y en a plusieurs petites histoires comme cela. Hein, quelqu'un qui était en train d'attendre Jésus, priait, disait, Seigneur, viens vers moi, viens me parler, effectivement. Et le Seigneur est venu dans un mendiant. Vous avez compris? Le Seigneur, oui, la personne a prié, jeûné, Seigneur, parle-moi, je veux entendre ta voix. Et le Seigneur qui connaissait son cœur, le Seigneur est venu dans un mendiant. Lorsque le mendiant a frappé la porte, lorsque la personne a ouvert la porte, a vu le mendiant, la personne lui a fermé la porte au nez. Et c'était le Seigneur bien-aimé qui était là. Donc, ceci c'est la foi religieuse. C'est pourquoi il est en train de vous dire, ne viens pas dans la maison du Seigneur, ne viens pas là où la parole du Seigneur est prêchée avec un esprit de religiosité. Parce que Jésus n'est pas une religion. Dieu n'est pas une religion. Non plus, le Saint-Esprit n'est pas une religion. Mais il est une, comment dire, c'est une communion intime. Quelqu'un comprend ce qu'il est en train de dire. C'est une communion intime. Dans d'autres mots, il est en train de te parler, de nous enseigner que lorsque un homme est marié avec sa femme, effectivement, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une vie intime, une vie de communion. Alléluia! Ils ont une vie de communion. Et c'est à cela dont cette foi, il est en train de parler, est en train d'attirer ton attention, est en train d'attirer mon attention. Bien aimé! Vous vous rappelez que la dernière fois, j'ai dit que je suis descendu en ville. Voilà, je suis descendu en ville. Et lorsque je suis descendu de voiture, je me suis vu attaquer de tous les bords. Donc, devant, je suis attaqué à droite, à gauche. Je suis attaqué. Donc, j'ai dû sortir de la voiture et descendre la tête baissée, bien aimé. Donc, il est en train de nous rappeler ici que nous avons à combattre. Vous avez compris? Pour que toi et moi, nous puissions garder notre foi, nous avons un combat à mener. Quelqu'un compris? Pour que toi et moi, nous puissions garder notre foi, nous avons un combat à mener. Les hommes principalement, je veux dire, les hommes de ce temps dont nous vivons, ce siècle dont nous vivons, lorsque nous sortons dans la rue, nous voyons que toutes les femmes, la plupart, sur 100 femmes que tu vas voir, mais tu vas voir une seule qui est bien habillée. Sur les 100, tu verras qu'il y en a 99. Et tu ne peux pas promener tes yeux là-dessus. Tu ne peux pas promener tes yeux là-dessus. Ta foi sera attaquée. Tu vas dire, mais pasteur, je ne fais rien. D'accord, tu ne fais rien, mais prête attention. Tu sors dans la rue, tu laves tes yeux sur toutes ces femmes. Lorsque tu arrives chez toi, tranquillement, la nuit venue, tu vas te coucher, et voici, tu es dans un rêve. Tu vois où est-ce que Satan t'attend? Il vient dans ton rêve. Il vient dans ton rêve, et tu vas te trouver dans une mauvaise posture de ce rêve, en train de pécher contre la sainteté de Dieu dans ton rêve. Pourquoi? Parce que tu as alimenté tes yeux tout au long de ta journée. Ou bien dans les feuilletons télévisés, dans les films à la télé, tu as amusé ta vue, tu t'es amusé. Et maintenant tu vas aller te coucher en pensant que tu vas passer une bonne nuit dans la sainteté. Sache qu'il est en train de parler, bien-aimé. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris, bien-aimé. Nous n'avons pas réellement compris. Il m'a dit que cette foi doit être préservée, doit être fortifiée journalièrement. Il y en a combien d'heures dans une journée? T'es sûr? C'est pas vrai. Il y en a combien d'heures dans une journée?
Non, je pense que vous n'avez pas compris bien. 12. Bon, il y en a 12. Il y en a 12 heures, c'est-à-dire. Oui. Celle qui a dit 12 heures, donc 12 heures sanctifiées, l'autre 12 heures. Bien aimé, non. Prêtez attention. Il y en a 24 heures dans la journée. Bien aimé, prêtez attention. Il me semble qu'il y a un souci ici-là avec la parole de Dieu. Il nous dit que cette foi doit être préservée, doit être fortifiée journalièrement. Est-ce que c'est bien ce que nous avons lu là, bien-aimé? Il est écrit ça, comme ça, dans ta Bible? Journalièrement. Et il est en train de m'interpeller. Il m'a dit, j'ai marqué dans ma parole journalièrement. Et Dieu dit, qu'est-ce que Dieu dit? Que celui qui lise fasse attention. Et il dit aussi que celui qui a de l'intelligence comprenne. Donc, s'il me dit journalièrement, je sais que dans une journée, il y en a 24 heures. Mais pasteur, le soir je dors, nous devons dormir 8 heures. Alors ces 8 heures-là, qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais avec ces 8 heures? À savoir que le corps se repose. Mais est-ce que l'esprit de l'homme se repose? L'esprit de l'homme n'est pas en train de se reposer. Le corps de l'homme se repose, mais son esprit n'est pas reposé. Son esprit est en éveil. Pourquoi l'esprit de l'homme ne peut pas dormir, bien-aimé? Quelqu'un connaît la réponse? Parce que cet esprit nous a été donné de la part de Dieu. Et ce que Dieu donne ne dort pas, ne meurt pas, ne s'arrête pas. Quelqu'un a compris? Donc quand tu dors, ton esprit ne dort pas. Donc, il est en train de te dire que je devrais faire quelque chose afin que les 8 heures de temps que mon corps va se reposer, que mon esprit soit aussi occupé avec la parole de Dieu. Bien aimé, vous comprenez? Il est en train de me dire, je ne sais pas si réellement, bien aimé, vous comprenez le sens, mais je suis en train, par l'aide du Saint-Esprit, de développer afin que nous puissions comprendre très clairement ce qu'il est en train de nous dire. La foi chrétienne, la foi dont on dit qu'il nous dit qu'il y a une seule foi, cette foi doit être bien alimentée journalièrement. Nous devons combattre pour cette foi. Quelqu'un a compris? Rappelez-vous, lorsque nous disons, bien aimé, ici nous sommes en guerre, nous sommes au combat, ici nous sommes en guerre. Pourquoi? Parce qu'il y en a des milliers de personnes qui veulent que lorsque Jésus vient, ils veulent que lorsque Jésus vient, qu'ils soient prêts à faire de partie de l'enlèvement. Mais pour cela, ils ont un combat à mener sur la terre. Le combat qu'ils ont à mener sur la terre, bien, c'est le combat afin de préserver leur foi. Faites attention, bien aimé. Dans ce combat, je devrais faire ce qui est à moi, ce qui m'appartient. D'accord? Je devrais faire ce qui m'appartient. Et ce qui me dépasse, le Saint-Esprit prendra le contrôle. D'accord? Mais je devrais faire tout ce qui m'appartient. Je devrais faire tout ce qui m'appartient. Je dois préserver mes yeux. Je dois préserver mes oreilles. Il y a toutes sortes de musique, bien aimé, qui est diffusée. Est-ce que je peux écouter toutes ces musiques? Je dois préserver mes oreilles. Est-ce que je dois écouter toutes sortes de conversations? Non, je dois préserver mes oreilles. Je dois préserver mes oreilles. Parce que si une mauvaise information est entrée dans mes oreilles, aïe. Elle fera son œuvre. Rappelez-vous d'Ève
Une mauvaise information est entrée dans l'oreille d'Ève et Ève a été transformée à cause d'une fausse information, une mauvaise information qui est entrée dans son oreille. Donc, bien-aimé, toi et moi, nous savons que pour pouvoir préserver cette foi, ceci c'est dans le jeûne et dans la prière. Quelqu'un dit amen? Amen. Pour préserver cette foi, la foi qui va t'emmener réellement dans le royaume de Dieu, dans le ciel, cette foi, c'est une foi, c'est pas la parole du pasteur, c'est la parole du Seigneur. Cette foi est préservée par le jeûne et par la prière. Amen. Pourquoi par le jeûne et par la prière? Je viens de dire dans l'introduction, bien aimé, que tu reçois une bénédiction, mais que tu ne sais pas encore. Jusqu'à ce que le moment arrive où tu auras besoin de cette bénédiction pour pouvoir affronter ce moment-là. Et c'est à partir de ce moment-là que tu te rendras compte que tu as reçu quelque chose qui est surnaturel. Donc c'est bien de ce qu'il est en train de parler. Toi et moi, nous l'avons fait. Tout ce qui est en notre pouvoir pour préserver notre foi. Amen. Nous savons bien aimé que la foi en Dieu, ceci dépasse toutes les intelligences humaines. Ceci dépasse toutes les intelligences humaines. Et je répète encore, selon la fin de l'université, c'est une foi, bien aimé, qui a été transmise aux saints. Comme quelqu'un a dit tout à l'heure là, qui a été transmise bien aux élus. C'est une foi qui a été remise bien au peuple de Dieu. Et cette foi-là, si tu ne la préserves pas, si tu ne la fortifies pas journalièrement, tu retourneras dans le monde. Quelqu'un a compris? L'ampoule ne peut rester allumée que s'il est connecté sur le réseau électrique. Alléluia. Tu ne peux pas dire avoir la foi chrétienne et chez toi tu es en train de lire des romans. Tu ne peux pas arriver à fortifier cette foi, à préserver cette foi, si chez toi la télé est ouvert 24 heures sur 24, tout ce que le monde donne est chez toi. Tes enfants sont assis en train de regarder ces choses. Bien aimé, soyons vigilants. Est-ce que quelqu'un a compris ceci? C'est ce que Jésus a dit. Étroite est la porte qui mène où? Étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène où? Où? À la vie. Étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie. C'est cette porte-là et ce chemin-là, c'est lui qui va t'emmener au royaume du ciel, des cieux. Et il te dit, large et spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Tu n'es pas encore au monde, mais tu es perdu. Comprends. Lorsque quelque chose est perdu, est-ce qu'il y a une possibilité de le retrouver? Oui. Quand quelque chose est perdu, est-ce qu'il y a une possibilité de le retrouver? Oui. D'accord? Une fois que tu l'as perdu, tu
tu ne vas pas le trouver, mais il y a une possibilité de le retrouver. Amen. Il y a une possibilité de le retrouver. Donc, quand tu es perdu, il y a une possibilité. Mais il y a une possibilité. Mais si la possibilité ne se présente pas, bien, tu seras finalement perdu pour l'éternité. Donc, il te dit, ce chemin-là, le chemin où il te dit que étroite est la porte et resserrée est le chemin, il te dit, il y en a combien? Il y en a combien? Non, tu n'as pas compris. Il te dit, étroite est la porte, resserrée est le chemin. Il y en a combien qui le trouvent? Il te dit, il y en a peu de personnes qui le trouvent. Mais la porte qui est large et spacieuse, il y en a beaucoup qui marchent là. Il y en a beaucoup qui le trouvent parce que c'est la porte la plus facile. Or, nous vivons dans un monde où les gens aiment la facilité. Les gens aiment la facilité. Oh, bien aimé, eh bien, avec Dieu, il ne t'appelle pas à la facilité. Tu as compris ce qu'il nous appelle? Il nous appelle à combattre. Est-ce que le monde t'appelle à combattre? Non. Le Seigneur nous appelle à combattre. Combattre. Alléluia. Donc, Colossiens chapitre. Donc, tout le monde, effectivement, tout le monde a compris de ce qu'il est en train de parler, que cette foi bien, nous a été donnée. Et attention, bien-aimés, ce que Dieu donne, et comment je vais dire ça, ce que Dieu donne est très sensible. Ce que Dieu donne est très valeureux. Quelqu'un a compris? Pourquoi que ma foi, ta foi, la foi que Dieu nous a donnée, bien-aimés, ceci dépasse tout l'or du monde. Ceci dépasse l'or du monde. Colossiens chapitre 2. Venez avec Colossiens chapitre 2. Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Colossiens chapitre 2. Galates, Éphésiens, Philippiens, là, après tout dedans. Tire le livre de Colossiens chapitre 2. Dans le livre de Colossiens chapitre 2, eh bien, nous allons lire, bien-aimés, nous resterons entre le 6 et le 8. Donc il nous dit ainsi, vous avez tous pleinement en lui, et si donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en action de grâce. Donc je reprends le verset, où est-ce qu'il est en train de parler ici, le verset 6. Vous avez tout pleinement en lui. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions que vous avez reçues. Bien-aimés, le Seigneur Jésus que vous avez reçu, que nous avons reçu, nous devons être enracinés dans le Seigneur Jésus. Quelqu'un a compris? Le Seigneur vient récupérer un peuple, son peuple, dans l'enlèvement. Le Seigneur vient récupérer un peuple qui est enraciné en lui. Cela veut dire quoi, être enraciné en lui? Être enraciné en lui, je vous donne un exemple. Et ceci va se passer dans la grande tribulation, bien aimé. Les chrétiens vont recevoir le Seigneur Jésus au moment de la tribulation, au moment de la grande tribulation,
l'Antichrist prendra ces personnes et vont emmener ces personnes au supplice pour couper leur tête s'ils ne renoncent pas au Seigneur Jésus. Et ce moment-là, la Bible nous dit justement que ces personnes seront emmenées là et la question leur sera posée. Si tu veux vivre, il faut renoncer au Seigneur Jésus. C'est-à-dire, renoncer à quoi? Renoncer à ta foi. Si tu veux vivre, renonce à ta foi. Si tu ne renonces pas, on te coupe la tête. Donc, bien aimé, être raciné en Jésus, voilà ce que cela veut dire. Apocalypse, je vais dedans. Chapitre 5. Apocalypse, chapitre 5. Oui, retour de l'Apocalypse. Le chapitre 5, c'est bien ça. Ouais, chapitre 6 plutôt. Apocalypse chapitre 6. Prenez attention. Et vous saurez qu'est-ce que c'est qu'être enraciné en Jésus. Parce que beaucoup de personnes, bien aimés, beaucoup de personnes abandonnent Jésus très facilement. Très facilement, ils abandonnent Jésus. Ils disent, non, toute la semaine, je n'ai pas travaillé, je n'ai pas fait un jour de travail toute la semaine. Et lui, j'ai trouvé un petit job, mais c'est aujourd'hui dimanche. Le gars m'a dit, c'est dimanche seulement, il dit qu'il veut que je fasse ça, dimanche. Regarde comment que ta foi est attaquée et que toi, tu ne peux pas contre-attaquer. Tu abandonnes, tu ne combats pas. Tu abandonnes le combat. Regarde comment, bien aimé, comment que c'est très facile d'abandonner ta foi. De baisser les bras, baisser ton bouclier. Ah, il m'a dit, c'est le dimanche, et évidemment, je ne peux pas venir adorer le Seigneur parce que je dois aller faire ce job-là. Donc, ton ventre parle plus fort que ta foi. Tu vois où est-ce que le Seigneur t'emmène? Est-ce que voyons-nous où est-ce que le Seigneur est en train de nous emmener, bien-aimés? Est-ce que nous voyons où le Seigneur est en train de nous emmener? Donc toi-même, tu vois que tu n'es pas enraciné en Jésus. Tu vois? Tu n'es pas enraciné en Jésus. Voici ce que ça veut dire, être enraciné en Jésus, Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6, il te dit, quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Apocalypse chapitre 6, verset 9. Voilà qu'est-ce que cela veut dire être enraciné en Jésus. Bien-aimé, ces personnes dont il est en train de parler, eh bien, ce sont ceux qui accepteront le Jésus au moment de la tribulation, au moment de la grande tribulation. Et l'Antichrist prendra ces personnes pour lui dire, renoncez, sinon vous coupez la tête. Et là, beaucoup diront, vous pouvez nous couper la tête, parce que nous n'allons pas renoncer. Et leur tête sera décapitée. Ils seront décapités. Donc, être enraciné en Jésus, bien-aimé, Jésus, en ce moment, au moment où nous sommes en train de vivre le moment de la grâce, Jésus nous a appelés, bien-aimé, à mourir à cause de lui. Cela veut dire quoi? Mourir à cause de lui, c'est-à-dire combattre à cause de ta foi, mourir pour le pouvoir. Mourir pour le monde. Mais oui, bien-aimé, c'est ce qu'il est en train de nous parler ici.
Jésus nous a appelés à mourir pour le monde. Ma bouche qui ne fait que parler, dit des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mourir. Oui, un enfant de Dieu ne parle pas, n'est pas quelqu'un qui parle. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui laisse beaucoup dans le silence. Parce que le plus souvent, cette personne est dans la méditation. Ou cette personne est là, en train de travailler, mais cette personne est en prière. C'est pas quelqu'un qui se met... Oui, l'enfant de Dieu, quand il commence à parler, alors là, il va te remplir de la parole de Dieu. Parce que tout son cœur est rempli de Dieu. Un enfant de Dieu ne pourra pas te dire autre chose qui n'est pas de Dieu. À part que s'il parle, il est dans son travail, il va parler des choses de son travail. Mais à part cela, bien-aimé, dans son discours ne sortira que des choses du Seigneur. Parce que son cœur est rempli. Est-ce que quelqu'un a compris c'est quoi être enraciné en Jésus? Donc tu comprends pourquoi que ce dont nous avons lu dans Jude, le chapitre 3, au chapitre 3 du livre de Jude, là, il te parle, chapitre 1, verset 3 du livre de Jude, il te dit, lorsqu'il te parle, il te dit que cette foi-là doit être préservée et doit être fortifiée journalièrement. Parce que lorsque ta foi est fortifiée journalièrement, est préservée journalièrement, que va-t-il se passer? Tu vas être enraciné. Faites attention encore une fois, bien-aimé. Lorsque tu plantes une petite plante, comment? On te donne une petite plante, tu la plantes. Tu l'as mis dans un vase avec de la terre. Est-ce qu'il est déjà enraciné? Non, il n'est pas encore enraciné. Mais chaque jour, tu vas lui porter une portion d'eau. Et petit à petit, tu verras que sa racine va s'allonger. Voilà. Et finalement, bien-aimé, la racine fera tout le tour du pot. Et quand tu voudras l'arracher, eh bien, il sortira avec toute la terre. Ou bien quand tu voudras l'arracher, eh bien, tu verras qu'il vient en même temps avec le pot. Parce qu'il est enraciné. Bien aimé, être enraciné en Jésus, c'est mourir à cause de Jésus. Est-ce que quelqu'un a compris? Mourir au péché. Mourir au péché, bien aimé, à cause de Jésus. Est-ce que quelqu'un a bien compris ça? Mourir au péché à cause de Jésus. S'habiller indécemment, c'est un péché. Une femme qui va s'habiller et qu'on voit toute la forme de son corps, c'est un péché. Un homme qui va s'habiller et qu'on voit toute la forme de son corps, c'est un péché. Un être humain qui va manger, ah oui, comme le manger est bon, il va manger beaucoup. Ceci, parce que le manger est bon, c'est un péché. Il faut n'importe quoi dans ses cheveux, dans sa tête, c'est un péché. Il faut n'importe quoi avec son corps, c'est un péché. Ton corps ne t'appartient pas. Il va mettre percer partout pour mettre des morceaux d'or. C'est un péché. Il va se mettre à boire de l'alcool. Il ne peut pas boire un truc d'alcool. Dès que c'est de l'alcool, il se met à boire, oui, c'est un péché. Il ne peut pas voir une fois, dès qu'il voit une fois, tout ce qu'on le fait, c'est un péché. Il ne peut pas voir de l'argent, dès qu'il voit de l'argent, il sent qu'il lui faut aussi. C'est un péché. Il ne peut pas voir que le voisin achète un nouveau frigidaire, madame, ça le jette, ça qu'il faut qu'il a sa part aussi. C'est un péché. Bien-aimé, être enraciné en Jésus, voilà ce qu'il est en train de nous dire aujourd'hui. Être enraciné en Jésus. Celui qui est enraciné en Jésus, il est mort au péché.
Quelqu'un a compris? C'est ça la véritable foi que le Seigneur nous a donnée. Lorsque le Seigneur dit il y en a une seule foi, c'est cette foi-là. Et cette foi-là, si tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, tu ne peux pas conserver cette foi. Je suis désolé de te décevoir. Je suis désolé de te dire la vérité. Et tu comprends, c'est pourquoi que le peuple saint, c'est un peuple qui marche constamment dans le jeûne. Oui, tu as une foi, mais ce n'est pas celle-là. Alléluia. Quelqu'un a compris, tu as une foi, oui, tu crois en Dieu, tu as une foi, mais ce n'est pas celle-là. Celle que la Bible te révèle, elle est différente. La foi que la Bible te révèle, c'est cette foi-là que lorsque Jésus apparaîtra, tu seras enlevé. Tu ne pourras pas rester sur la terre. Pourquoi? À cause d'elle. Quelqu'un a compris? À cause d'elle. Lorsque Jésus apparaîtra, bien-aimé, tous ceux qui auront cette foi ne pourront pas rester sur la terre. Quelqu'un a compris? Bien-aimé, je prends un sachet de clous, je sème par terre là. Et je te dis, prends un aimant. Que va-t-il se passer? Prends un aimant, passe dessus. Bien. Tous les clous seront attirés par l'aimant. Comprends ce qu'elle est en train de te dire. C'est ce qu'elle est en train de nous enseigner. Il y en a une seule foi, bien-aimé. Il n'y en a pas deux. Parce que Dieu a créé un seul. Il y en a un seul baptême. Il n'y en a pas deux. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de crier, de sonner avec une trompette. Beaucoup de personnes se sont fait baptiser. Beaucoup, il y en a des millions. Il te dit, il y en a un seul vrai baptême. Un baptême qui sera, comment dire, qui sera exactement dans le cadre, dans le plan du Seigneur. Mais beaucoup se font baptiser parce qu'il y en a beaucoup de faux baptêmes. Beaucoup de faux baptêmes. Est-ce que quelqu'un est en train d'apprendre quelque chose avec ce que le Saint-Esprit est en train de dire? Il n'est pas en train de nous remettre en question, il est en train de nous remettre en question. Remettre ma foi en question pour savoir, est-ce que c'est cette foi-là que tu as? Que lorsque Jésus apparaîtra, tu seras attiré vers lui. Voilà ce qu'il est en train de nous dire là. Continuons dans ce livre de Colossiens. Être enraciné en Jésus. Est-ce que quelqu'un a compris, Seigneur? Je pense que ceux qui sont en train de nous regarder, je pense qu'ils ont compris. Être enraciné en Jésus, c'est mourir au péché. Lorsque le péché vient se présenter à ta porte, il n'y a pas de place pour lui. Il n'y a pas de place pour lui. Il te dit, reprenons Colossiens chapitre 2 à partir du verset 6. Vous avez tous pleinement, vous avez tout pleinement en lui. Est-ce que quelqu'un, bon, je m'étais pas arrêté sur cette phrase. Mais bien aimé, lorsque tu t'arrêtes sur cette phrase, vous avez tout pleinement en lui. Cela veut dire quoi? Nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en lui. Est-ce que quelqu'un a compris? Dans cette parole, il y en a tout bien aimé. Non, mais il a dit, non, vous avez quelque chose en lui. Non, il n'a pas dit ça, il a dit, vous avez tout pleinement en lui. Celui qui a Jésus, qu'est-ce qu'il a? Est-ce que vous êtes sûr? En êtes-vous sûr, bien-aimé? Celui qui a Jésus, est-ce qu'il a tout? Vous dites amen, amen, amen. Un amen pas convaincu, un amen mais qui ne. Un amen sans conviction. Un amen sans conviction. Bien aimé,
Lorsque l'enfant de Dieu, le chrétien, il est en train de parler de la foi chrétienne. D'accord? La foi chrétienne, il est en train de parler. Il n'est pas en train de parler de n'importe quoi là. Non. Nous savons qu'il y en a, l'autre foi chrétienne, d'ailleurs, la foi chrétienne, l'autre foi chrétienne qui existe. Mais là, il est en train de parler de foi chrétienne qui t'a trouvé en haut. La seule foi chrétienne, bien aimé, qui existe dans la Bible, il est en train de nous parler. C'est ce qu'il est en train de nous parler. Crois en Dieu. Tout le monde croit en Dieu. N'est-ce pas, bien aimé? Tout le monde croit en Dieu. Mais leur attitude démontre qu'ils croient en leur religion, mais pas en Dieu. Ils croient en ce que dit leur pasteur, leur dirigeant, leur berger. Mais ils ne croient pas, ils n'ont pas la croyance en Dieu. Donc si je continue, bien-aimé. Vous avez tout pleinement en Jésus. Avec Jésus, tu en as tout. Même s'il n'y a pas l'argent pour payer le loyer ce soir, tu n'es pas préoccupé. Bien aimé, il n'est pas en train de te dire que reste chez toi, assis dans la maison, et que l'argent du loyer viendra, d'accord? Et que le manger viendra. Tout viendra, tu restes chez toi. C'est pas ce qu'il est en train de te dire. D'accord? Rappelle-toi de ce qu'il nous dit dans le livre de Proverbes. Les fainéants n'entreront pas dans le ciel. Le fainéant, pour lui, mettre la cuillère dans le plat et la mener dans sa bouche, c'est pénible. Parce qu'il est fainéant. D'accord? Donc il est tout simplement en train de nous enseigner et de nous dire que nous devons travailler. Dans le ciel, il n'y a pas de place pour le fainéant parce qu'il est en train de nous parler de combattre. Vous avez compris? Donc, qui va combattre? Ce sont des combattants, des gens qui sont prêts à aller au combat. Amen. Et rappelons-nous ce qu'il est en train de nous dire. Toi et moi, nous n'avons pas à combattre de choses visibles. Mon combat, ton combat, non. C'est pas avec notre frère. Notre combat est spirituel. Voilà ce que beaucoup de personnes n'ont jamais compris. Notre combat est spirituel. Pourquoi? Parce que mon ennemi, notre ennemi, il est spirituel, il est invisible. Donc comment ferais-je pour pouvoir lutter, pasteur, contre quelqu'un qui est invisible, quelqu'un que je ne vois pas? La foi en Jésus. La foi en Jésus. Tu as compris? La foi en Jésus. La foi en Jésus te permet de voir l'invisible. La foi en Jésus te permet de voir l'invisible. Quelqu'un a compris? Aïe, bien aimé. Avoir la foi en Dieu, vous comprenez que nous comprenons que avoir la foi en Dieu, ceci n'est pas une chose, on va dire, une chose comment? D'accord. Ceci n'est pas une chose facile. Mais ceci est une chose possible. Ceci n'est pas une chose facile, mais c'est une chose possible. Pourquoi? Et pourquoi ce n'est pas une chose facile, bien-aimé? À cause de notre nature comment? Pécheresse. Et oui. Bien-aimé, vous savez, quand Dieu a tout créé dans le jardin, Dieu a créé tout parfait. C'était une union parfaite. Vous imaginez, le lion jouait avec la brebis.
Le lion, le tigre, il mangeait de l'herbe, bien aimé. Vous avez compris? Ces bêtes-là que vous connaissez maintenant, qui dévorent les personnes, c'est de l'herbe qu'il mangeait. Dieu a tout créé parfait. Donc, une chose que le Saint-Esprit est en train de nous dire aujourd'hui, ne t'étonne pas que nous ne soyons pas étonnés que pour nous, ce n'est pas facile. Ah, Seigneur, je reconnais que ce n'est pas facile. Avoir la foi en toi, Seigneur, ah Seigneur, c'est très difficile, c'est tellement difficile. Vous savez pourquoi nous parlons ici, bien-aimés? À cause de notre nature pécheresse. La nature du péché met toujours une barrière devant. La nature du péché, bien-aimé, met une barrière devant. Il te fait voir la barrière pour t'empêcher d'aller au-delà. Donc, nous avançons, personne, bien-aimé, nous avançons. La seconde partie de ce verset, nous étions en train de développer dans Colossiens le chapitre 2, entre le verset 6 et le verset 8. Ensuite, la deuxième partie de ce verset, il nous dit, il nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Aïe, messieurs bien-aimés, ah, Seigneur. Il vous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Donc tu vois bien-aimés, que le Seigneur nous a déjà prévenus en amont. Il nous demande de faire attention. De faire attention que personne ne puisse faire de nous sa proie. Que personne ne puisse faire de nous sa proie. Ça veut dire quoi? Que personne ne puisse faire de nous son prisonnier. Bien aimé, combien de personnes, combien d'ennemis, de milliers de personnes ne sont pas prisonniers de cet évangile de la prospérité, cet évangile de la terre, cet évangile horizontal qui ne reste qu'horizontal, l'évangile de la terre. Combien de millions de personnes ne sont pas prisonniers de cet évangile? Bien aimé, n'est-ce pas? Combien de personnes ne sont pas prisonniers de cet évangile? J'étais en train de dire à la sœur Jeanne dernièrement, j'ai dit, écoute ce chant. J'ai dit, écoute ce chant, va comme ce chant est tout. Écoute ce chant comme il est. Et, bien-aimé, lorsque tu regardes ce chant en vidéo, tu vois les gens qui chantent, tu vois, tu dis, Seigneur, quel dommage. Le chant, quand tu entends le chant à la radio, le chant il est merveilleux, il est douceur, le chant, le chant. Et quand tu regardes les personnes finalement, sur la façon dont il faut, il y en a une incompatibilité. Il y en a simplement, bien aimé, une incompatibilité. Tu as vu, tu entends le chant quand tu découvres comme ça, c'est très spirituel. Les paroles t'emmènent vers le ciel. Et lorsque tu regardes ceux qui le chantent, tu dis, eh bien, c'est dommage. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que Dieu est trois fois saint. Bien aimé, c'est de la même façon que vous et moi, nous trompons les poissons. Eh bien, oui. C'est de la même façon que vous et moi, nous trompons les poissons. Nous prenons un verre de terre et les poissons sont friands, ils aiment. Nous mettons dans un piège, un hameçon, et nous l'envoyons dans l'eau. Et le poisson, parce que c'est un verre de terre, et ça y est,
il est prisonnier. C'est la même chose. C'est la même chose. Ils sont prisonniers, bien-aimés. Ils sont prisonniers, bien-aimés. Ils sont prisonniers de cet enseignement. De cet enseignement. Ils sont prisonniers. Ce n'est pas, Cet enseignement n'émane pas du Saint-Esprit. Tout enseignement émanant du Saint-Esprit attirera ton attention. Lorsque tu vas entendre cette instruction, lorsque tu partiras avec, cela va te travailler. Parce que cet enseignement ne viendra pas des hommes, de hommes. Il viendra du Saint-Esprit. Donc, bien-aimé, faisons attention, puisque la Bible, il nous a déjà prévenu. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie en s'appuyant sur la tradition des hommes et non sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. J'ai aimé. Cet évangile dont tu es en train d'entendre, là, on dit, ah oui, il est dur, hein, cet évangile, ah oui, parce qu'on connaît effectivement, il est dur. Eh bien, c'est lui qui va t'emmener au royaume de Dieu. C'est pourquoi tu vois qu'il fait la différence. Il te dit, porte étroite et resserrée et chemin large. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Cet évangile du salut du Seigneur, il t'attire vers le haut, puisqu'il a dit qu'il s'appuie sur les rudiments du monde. Nous sommes bien aimés, effectivement, une chose que je voulais attirer ton attention. Est-ce que Jésus est bon, oui ou non? Oui, Jésus est bon. Est-ce que Jésus transforme les vies? Oui ou non? Tout le monde va dire oui, Jésus transforme les vies. Pourquoi Jésus transforme les vies? Parce que là où Jésus est, il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. Là où Jésus arrive, quelque chose doit se passer. Vous avez compris? Là où Jésus passe, il y a quelque chose qui va se passer. Donc imaginez-vous si Jésus vient pour habiter quelque part. Or, toi et moi, nous avons été appelés afin que Jésus puisse habiter à nous. Quelqu'un a compris? Nous avons été appelés à ce que Jésus puisse habiter en nous. Donc, bien aimé, ce verset, finalement, nous n'allons pas, bon, l'heure approche, nous n'allons pas finaliser avec ce verset, puisque ce verset en a une grande instruction, ces deux versets, hein, Colossiens chapitre 2, 6 à 8. Donc, il y en a une grande instruction. Il te demande de faire attention, que tu ne sois pas prisonnier, que tu ne sois pas prisonnier d'un homme. Hein, que tu ne sois pas prisonnier. Comment? Que tu ne sois pas prisonnier. Je reprends le verset. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc, lorsque l'enseignement est basé sur Christ, qui est la fondation, cet enseignement doit attirer ton attention. Cet enseignement doit attirer ton attention. Donc nous comprenons, bien aimé, pourquoi beaucoup de personnes remplissent des églises dès leur jeune âge. Je me rappelle, bien aimé, lorsque j'étais
dans l'église par le passé. Je ne voulais pas sortir, je ne voulais aller visiter. D'une part, je voulais rester là, bien aimé pour moi, j'étais bon là, c'était bon, je ne voulais aller nulle part. Alors que j'étais prisonnier, j'étais prisonnier de la philosophie des hommes. J'étais prisonnier parce que le message s'appuyait sur les rudiments du monde, puisque les vies n'étaient pas changées. Si la vie d'un homme n'est pas changée, ça veut dire quoi? Pourquoi? Si la vie d'un homme n'a pas changé, c'est parce qu'il n'a pas Christ. Parce que là où Christ est, sa vie est différente. La personne est dans sa religion, tu vois, oui, c'est un homme de religion. Mais tu vois, quand tu parles avec lui, il n'y a rien de plus, tu vois, c'est un homme de religion. Mais sa vie n'a pas changé. Sa vie n'a pas changé, sa vie ne reflète pas Jésus-Christ. Or, normalement, nous savons très clairement que là où Jésus arrive, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Là où Jésus arrive, bien aimé, il y en a quelque chose qui se passe. Nous continuons pour finaliser avec ce verset 41. En lui habite corporellement toute la plénitude de la vie, de la divinité. Et il reprend, comme le commencement, vous avez tout en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite. Rappelez-vous bien aimé que l'apôtre Paul du Seigneur Jésus, cet homme, il avait un grand combat. Comprenez? Il avait un grand combat, bien aimé, avec les Juifs. Et le grand combat de l'apôtre Paul, c'est le grand combat des pasteurs que le Seigneur a élevé pour enseigner le message de la sainteté. Les pasteurs que le Seigneur a élevé pour porter le message de la sainteté, ont un grand combat avec les pasteurs qui emmènent le message de la prospérité. Les gens préfèrent le message de la prospérité. Quelqu'un a compris? Il dit amen. Les gens préfèrent le message de la prospérité. Dieu va te bénir. Dieu va te donner. Oui, Dieu fera tout ici sur la terre et rien pour là-haut dans le ciel. Comme si que Dieu avait appelé l'église pour vivre sur la terre. Comme si que le but de l'église, le but que Jésus est venu sur la terre, c'est pour que toi et moi, nous puissions vivre bien sur la terre. Vous avez compris le message? Est-ce que vous avez compris le message? Le combat que l'apôtre Paul avait, bien aimé. Il vous dit, vous avez tout pleinement en lui. Lui qui est le chef de toute domination et toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite de la main. Le combat de l'apôtre Paul, c'était avec les Juifs, parce que Dieu avait donné à Abraham, Dieu avait donné à Moïse la circoncision. Et que tous les Juifs devaient être circoncis. Maintenant, Dieu emmène l'évangile. La circoncision est différente. Voilà ce que beaucoup n'ont pas compris dans leur religion, bien-aimés. Ils n'ont pas compris cela dans leur religion. Non, ils n'ont pas compris cela dans leur religion, bien-aimés. Non, ils n'ont pas compris. Vous avez compris le combat qu'il avait, bien-aimés? Pendant qu'il était en train de porter le message, vous avez ceux qui, les partisans de la circoncision qui venaient là, qui mettaient le désordre de la réunion, et bien s'arrêter.
circoncision que Dieu avait donnée à Moïse, bien-aimé. Quand Jésus est venu, la circoncision, eh bien, Dieu a surpassé la circoncision. La circoncision n'est plus visible. La circoncision, elle est bien plus puissante, bien plus terrible. Elle est devenue invisible. Pourquoi? Parce qu'elle pointe chaque homme, chaque femme du doigt. Ton cœur devra être circoncis. Si ton cœur n'est pas circoncis, tu ne peux pas changer tes habits. Si ton cœur n'est pas circoncis, tu ne peux pas tenir ta langue. Si ton cœur n'est pas circoncis, eh bien, tu regarderas toujours le feuilleton télévision. Bien-aimé, le message est bien plus puissant. Si ton cœur n'est pas circoncis, tu ne pourras jamais aimer ton prochain comme toi-même. Personne n'a pas compris ce message. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Tu ne voudras pas du mal pour toi. Pourquoi veux-tu du mal pour ton prochain? Tu n'aimes pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Amen. La parole de Dieu n'est pas en toi. Amen. C'est terrible, bien-aimé. Vous comprenez le message, il est puissant. Mais nous, le premier début, nous allons finaliser. Le moment est venu pour nous le finaliser. Alléluia. Le moment est venu pour nous de finaliser. Mais nous allons poursuivre la prochaine fois avec ce verset. Bien aimé, dis oui. Nous allons poursuivre avec ce verset. Il y en a encore du jus là-dedans pour toi et moi, afin que nous puissions nous alimenter, nous délecter, bien aimé. Alléluia. Prions, bien aimé, afin de remercier le Seigneur. Cet instant merveilleux en sa présence. Béni soit ton nom éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te disons, Père Tout-Puissant, Père éternel, que Dieu merveilleux, Seigneur, nous te disons merci pour la présence de tes enfants, Seigneur, qui sont venus ici en ce lieu et qui se sont déplacés. Éternel, je te présente chacun dont toi tu connais, Seigneur, tous tu les connais individuellement. Je te présente, Seigneur, la situation de chacun devant ta face, devant ta présence éternelle, que tu puisses aider, Seigneur, chacun de tes servantes et de tes serviteurs à marcher avec toi et à se préparer, Seigneur, afin, Seigneur, que notre foi soit réellement, Seigneur, fondée sur le roc, sur la roche qui est Christ, le rocher des siècles éternels, mon Dieu. Je te demande, Seigneur, de délivrer ceux, Seigneur, qui sont prisonniers, Seigneur, de rudiments d'hommes, Seigneur, qui s'appuient sur des choses mondaines et non sur Jésus-Christ, qui est la parole vivante, qui est la source de la vie. Je te bénis, Seigneur, pour la vie de tout un chacun, afin, Seigneur, que ta volonté puisse, Seigneur, s'accomplir, Seigneur, encore dans leur vie. Pour ceux qui veulent recevoir le Seigneur Jésus, je vais faire cette prière. Je vais vous conduire vers le Seigneur. Je vous demande de répéter juste cette courte prière après moi. Dites, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Seigneur, je crois en toi. Et je te demande, Père, pardon au nom de Jésus. Pardonne-moi, Père, toutes les fois que je n'ai pas compris ton message. Dans le nom du puissant de Jésus. Seigneur, en cet instant, je vais t'accepter dans ma vie comme mon sauveur personnel. Dans le nom du puissant de Jésus, j'abandonne le monde. J'abandonne la foi du monde. J'abandonne toutes les choses qu'il y a dans le monde. Je te demande, cet esprit, attache-moi à toi. Attache mon cœur à toi. Attache mes pensées à toi. Pardonne tous mes péchés, Père. Au nom de Jésus, je te supplie, Père, établis ta parole dans ma vie. Donne-moi ton Saint-Esprit, afin qu'il puisse encore me guider dans toute la vérité. Père, je te prie, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton Père. Seigneur Jésus, lorsque tu viens pour ton église, souviens-toi de moi.
moi avec toi. Je te prie, Père, au nom de Jésus, inscris mon nom dans le livre de vie de l'agneau de Dieu qui se trouve dans le trône de Dieu. Au nom de Jésus, je suis né de toi. Amen et Amen.